Bon, aujourd'hui, ce matin, il devait faire entre moins 28 et moins 29 à peu près. Les ânes étaient tous dehors, devant les murs anti-vent. Les murs anti-vent qui se trouvent ici. Voilà. Alors pourquoi se tenaient-ils là ? Ben, tout simplement parce qu'ils étaient au soleil, et puis qu'au soleil il fait bon. Ce qui fait pas très froid en fin de compte. Il n'y a pas de vent. Il y a du soleil, alors c'est supportable. Alors les ânes, ils dorment ici. Là, ils ont leur maison, bien à l'abri du vent. Mais ils préfèrent sortir et se mettre ici, devant les murs anti-vent. Voilà. Ça leur coupe les vents dominants. Et puis en même temps, ça doit un peu absorber de la chaleur. Ils se mettent contre. Puis ils passent leur journée. Alors là, on voit bien, partout où ils se tiennent, la neige est tassée. Donc ils se tiennent carrément contre. Mais alors, ce qui est important, on voit aussi la journée, on ouvre la porte, là, et les ânes, voilà, ils ont fait des petits chemins, et ils vont se promener. Alors ils suivent les petits chemins, là, voilà, on voit bien, c'est des vraies autoroutes à ânes. Voilà. Ils suivent les petits chemins, et où vont-ils? Ils vont dans le petit bois qui est ici, là, à droite, là, voilà, il y a un beau chemin, ils vont dans le petit bois. Et dans les petits bois, ils vont manger des arbres. Alors, ils grignotent des arbres morts, ils mangent des saules, ils adorent ça. Ou alors ils prennent là tout droit, ils montent sur la colline un peu au-dessus. Puis là, ils ont leur observatoire. Donc ils s'arrêtent là, tranquille. Et puis ils regardent le paysage, ils regardent ce qui se passe autour. Et il y a quelques arbres morts un peu plus loin là. Alors ils vont grignoter des arbres morts. Ça, les ânes adorent ça, quelle que soit la température. Hein. Qu'ils fassent moins 10, moins 15, moins 20, moins 30. Ils viennent là, ils grignotent. Là, on voit les traces un peu partout. Là, alors il y a quelques arbres morts là au fond, devant. Là. Et alors ils passent leur journée à grignoter. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est la vie des ânes en hiver.